Bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour. Je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Et je commence à Conakry, je vais finir m'arrêter à Zéro-Kouré, et à Yomou et à Lola. Je salue tous les Guinéens. Tous les Guinéens. Je salue tous mes fans. On dira mon musique, Fulbe Guinée-Guinée, la Huron. Quand la compte on dira non, faut partager la vidéo quand elle like, il faut. L'art de l'eau, on va voir le live, mais à l'année, vous avez dit que si Marie, on a des détails, on m'expliquera très bien. Mignon de l'eau, je suis trop occupé là, je suis un peu occupé là, mais le combat continue. Donc, bref, la famille, partagez, mettez le cœur, partagez votre cœur, je dis. Enani wo PV, Claude PV, Titama. Parce que Harim Bebouille, Harim Noalou de l'eau, Claude PV, Maï, Mini, Claude PV, Maïale. Mais vous savez, avec les CNRD, tout est possible. C'est des délinquants qui sont au pouvoir, c'est des délinquants qui sont capables d'organiser des manipulations. C'est des délinquants qui sont trop expérimentés c'est-à-dire à organiser c'est-à-dire des manipulations. Donc, je m'adresse aux blogueurs, aux communicants là, aux blogueurs, aux communicants sur les réseaux sociaux là. Faites beaucoup attention, ne tombez pas dans les pièges. Écoutons d'abord ce qui va se passer. Parce que pourquoi la CEDEAO doit se rendre en Guinée le 22? Le 22 septembre, la CEDEAO, délégation CEDEAO, nous arrête la Guinée pour demander qu'on tombe Hadi pour le processus électoral. Ça, c'est point numéro un. Point numéro deux, on a dit que les réseaux sociaux qui font de font une devoir faire qu'on est outil qu'a dit tellement côté Afrique, pays. Pays à Gotanda, pays on va faire qu'on devenir. On a une déclaration qu'a dit Baouri, le capitaine Baouri de CNRD, le plus grand malhonnête intellectuel de la République de Guinée, qui n'a aucune conscience humaine. Voilà. Qui disait hier que, ça dit, il veut la démocratie en République de Guinée. Maintenant, comme il est rentré dans les plateaux de CNRD, il est en train de manger à sa faim, Baouri ne pense plus maintenant à parler même de la démocratie. Mais nous, on laisse tout, tout est dans la main de Dieu. OK. Deuxième manipulation d'or. On y est soi-disant le conseiller de Doumbouya. Écoutez-moi très bien. Mamadi Doumbouya, eux, ils pensent qu'ils sont trop intelligents. On vient de dire que soi-disant le conseiller personnel de Mamadi Doumbouya, sa déclaration. On a dit qu'il faisait semblant. Il ne gole pas. Mamadi Doumbouya n'a qu'à organiser les élections. Mamadi Doumbouya n'a qu'à. Et Ole Maninka. Il n'a qu'à faire ça. Écoutez très bien cette vidéo. Son mari Hakil, Andobe politique, ben, analyse politique, conscience, nous, il était. Il a cité beaucoup de choses. Mais, là où j'ai compris même, c'était une manipulation. Qu'au Goto Poussimo de venir parler comme ça, là, ils vont lancer ça sur les réseaux sociaux pour endormir les Guinéens. Pour fuir un Kadi. Gentlemen, très bien. Aussi, au niveau, Mamadi Doumbouya n'a qu'à aller dire aux Guinéens. Comment il va organiser les élections? Pourquoi ça a retardé comme ça? Gente très bien, femme politique. Femme très bien politique. Gente très bien. Parce qu'on a foule bien femme politique de conscience. Oui, ni kander, 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 halamako, vocalmako. Ou guinem be mokia. Ou artiste be inu ou be inu gonomadi dumbia, itanana be, ou d'un foko birdi birdi. Honto no mi andi ko fenande ko be ko manipulado yo yalterni o olirani be getta on vocal be wada ka réseaux sociaux et no gol haybe be no conseil du mo yo accitu la mo ko fenande c'est pour nous endormir encore nos renouvela 1 an à 2 ans ko fio no mi woné wonde dum ya e gento don life pay kun sare on déclaration makon o inali don he no be no sikou de be wa manipulation gente très bien écoutez-moi très bien. Écoutez bien ces vocaux-là. Il n'a jamais mentionné dans ces vocaux-là où il disait à Mamadi Doumbouya, Gentelan, très bien, qu'il n'a qu'à appeler tous les leaders, Sidia Touré, président de l'IFDG et les représentants de RPG Arc-en-Ciel. Il n'a jamais parlé de ça. Gentelan, très bien, pour vous dire que c'est une manipulation. Il est sorti pour dire ça sur les réseaux sociaux maintenant que les gens vont écouter. Même les gens qui sont proches de Mamadi Doumbouya ne veulent pas que Mamadi Doumbouya force la situation pour devenir candidat. Maintenant, les deux points que moi j'ai écouté ça là, les deux points que j'ai soulignés moi-même, personnellement et intelligemment, intellectuellement et politiquement, ce que j'ai
ce que j'ai noté là-bas, ce que j'ai pris comme mensonge, mensonge intellectuel, il a cité tout, mais il n'a pas dit à Mamadi Doumbouya, dans ses vocaux-là, d'appeler les leaders-là, les opposants, ils vont s'asseoir, ils vont parler ensemble. Donc le CNRD, c'est des manipulateurs. Donc, quand il y a un conseiller de Paikounsare, il n'y a même conseiller personnel, Mamadi Doumbouya, a dit, c'est pour nous endormir. Gente phrase makon ko woli ko ini hay kander hala makon il faut lui donner 2 ans il au telle année on va organiser les élections législatives, on va faire comme ça, on va faire. Écoutez très bien, donc manipulation tant ter ton birdi en famille. Troisième aspect do ko fe ila be do kon hande mi ara academy jouy na preuve gidin iyon he mi himbe buino yaltude do inni ful be buino tawano ka dumada on andai ko fait il avait donc événement ko fait il avait kon ko himbe be yobi Mamadi Doumbouya a payé des gens be yebe yettim be gauche à droite wo be ko Conakry pour venir remplir là-bas inugol ko leñol fulbe wonno ka stade famé politique seda hande donc adi miaray fulbe be fulbe dido wonno be on délégation labé miaray mi jonna inde mabbe ne nom et prénom no be organiser non dum fop himbe buyi ko Conakry etta ada fiyo rempli sou labé inugol ko non fulbe ben yayi e si goddum wadi udite hakile mon ko manipulation won den do o e tout récemment ko be yalti do wo be jonu de titre foncier fulbe ben ko fi on dominion il reste 2 mois 3 semaines 15 jours la Mamadi Doumbouya ngon va arriver à la sadi finalement kon ko fi on ko fi on do be yalta tabe na be joni titre foncier fulbe ben Kaporora fo no ande toutes les personnes qui ont perdu leur maison à Kaporora là 97% sont des ethnies peul. Donc, le CNRD, comme ils ont tout fait, ils ont mis Ousmane Gawal en mission pour déstabiliser l'IFDG. Ousmane Gawal a dépensé tellement d'argent, il n'a pas pu. Baouri, le capitaine Baouri de CNRD, Baouri, le malhonnête intellectuel là, voilà, le malhonnête criminel là, le malhonnête intellectuel, Baouri, c'est un psychopathe intellectuel, le psychopathe intellectuel, capitaine Baouri. On y déclaration Baouri Fendodo. Il part dans les médias allemands Inugol où Alpha Condé est un danger pour la Guinée. Où Alpha Condé est à Doumano pour déstabiliser le travail que le CNRD est en train de faire. Baouri, hakoune mon yalla. On en Guinée, mais on est bien tard de là. Quand nous égole, Mamadi Doumbouya wone. Ils sont venus nous mentir ici. Baouri, capitaine Baouri. Le psychopathe intellectuel Baouri. Il est venu nous mentir ici, le capitaine Baouri, CNRD là. Que Mamadi Doumbouya a dit goudron 2000 km. Maintenant, où sont les résultats? On y résultat, Guiné. Allah est Fernande Soudotako. Fernande Soudotako. Les mensonges, on ne peut pas cacher les mensonges. On ne peut pas cacher la vérité aussi. On ne peut pas cacher la vérité devant Dieu. Donc, faites beaucoup attention. Ils ont retrouvé Pivi. Ne rentrons pas dans les polémiques là. Ils vont prendre, c'est-à-dire, le problème là, tout celui-là. Ils vont lancer ça sur les réseaux sociaux. Pour endormir les Guinéens, la CDA va venir en Guinée, ils vont dire, ouais, comme ils ont retrouvé Pivi maintenant, peut-être ils vont dire maintenant que les avocats de Pivi même vont faire appel. Écoutez, c'est le CNRD. Mamadi Doumbouya est un psychopathe criminel intellectuel. Mamadi Doumbouya, c'est un délinquant expérimenté dans la voïtocratie. Donc, n'écoutez pas Satan, bien tout. Oh, comme il y a un événement qu'on va dire, l'abbé, il faut qu'il y ait de Conakry jusqu'à l'abbé. Fulbe yalto de be inugol be wene me wela mani ko fulbe ko so wombe lenyol soso maninkabe wolo be pulal buri hay lenyol pullo ko ben jetta wobbe mabbe yo yaw wada témoignage wolirani ko fenande c'est une manipulation jeunesse sont vrai jeunesse sont labé fono andi ils se sont pas intéressés même à ça mi jona onon preuve lando don kadi pour preuve. Kala mo berno be tay ka station don moto ya yogi moto o fi ya yow ka starton tartugol mom e evenement Mamadi Doumbouya on kalbiran ko be yettete no be wadane ka moto ma landebe wo sa ini be wadante kalbiran ko be jonne 3 personnes be dowte ha ka station be jonne mbudi mais tu seras accompagné par 3 personnes kiki de do je vais venir rentrer dans les détails donc affaire de Pivi la faites beaucoup attention le CNRD est capable de tout. Nous sommes dirigés par des criminels, des voïtocrates, des délinquants expérimentés, des manipulateurs, des malhonnêtes, des ingrats, des inconscients, des ennemis de la République de Guinée. Nous sommes dirigés avec un clan
des diasporas malhonnêtes et inconscients. Donc faites beaucoup attention. Ils ont retrouvé PV, c'est ceux qui vont prendre maintenant, lancer partout. Mamadi Doumbouya travaille, ses agents secrets ont travaillé, ses services de renseignement sont forts, ils vont venir lancer ça sur les toiles. Hey, on s'en bat, on s'en fout de ça. L'essentiel est qu'on se prépare pour le 31 décembre 2024. Comment dégager le criminel là au pouvoir, c'est tout. Ne rentrez pas dans les détails là. Tant qu'on va dire qu'il est mort. Affaire Claude PV, il y a Tata Gioni qui a dit, on y fait il y a fort. Quand on est full, on a un peu de temps. Mais on a un peu de temps. Billahi wallahi talahi. On a un peu de temps. Jodo deva jodo todo migida ina ko hundu ka ko ko kudi ka sadi mi anda ko hundu nangi lenyol pullo mi wolay do hala jigo ha mi mono mi yenna mi fala kale yenno gol ko hundu nangi lenyol pullo ndare do ko be deplaci be yeka fore eh ka konia ka en ko be hala ni mamadi dumbu yako be sutenata mo hande be sutenata mo jango kala wondo de mamadi dumbu yakadi be sutenata on tigi hayo presento candidat election presidentielle. Quand un coordinateur a déjà signé dans la baie, ben full ben one ben une goal comme coordinateur l'ayant pullo. Quand ben ben ouata he ou goal courage ben sous ça, ben hula Mamadi Doumbouya. Quand un ben hula ta Mamadi Doumbouya. Et doua kamayo goal niende go. Coordinateur halie pullal. Quand ben ben ouata no jora goal ender foota jalo. Ina do menem menjabali comme quand on wade ko. Quand on ko wade akafore ko. Ohi ko wade akafore ko. Na figiagal. Ben wade nali Mamadi Doumbouya na figiagal. Fous. Ils ont été clairs, la forêt a été claire. C'est pour cela que j'ai dit à Mamadi Doumbouya, tu ne peux pas faire du mal aux forestiers là. C'est les peuls, certains peuls là et certains soussous qui sont des lâches, qui sont des escrocs. Mais la forêt, ce que vous avez fait à Dadis là, humilier Dadis comme ça là, vous pensez que la forêt va accepter ça? Tandis que le criminel, le bandit Sekouba Konaté, il est en France, il est en train de boire des champagnes. Bala Samoura tourne dans les voitures climatisées. Vous pensez que la forêt va pardonner ça? La forêt c'est les soussous ou c'est les peuls? Les escrocs, les peuls escrocs là, les soussous escrocs là. Vous pensez que la jeunesse de la forêt ou les gens de la forêt, c'est des escrocs? Vous n'avez rien compris. Je vous ai dit que vous ne connaissez pas les vrais forestiers là. L'humiliation, c'est ce que vous avez fait à Dadis. Quel est le forestier qui va accepter ça? C'est les castoriers qu'on met en prison là. Les soussous sont incapables de se lever. Ils sont en train de partir encore voir les criminels là. Hein? Gouvernement Gologueme. Ils sont en train de voir CNRDR Gologueme. Et pour faire les nyari maga encore pour dire itana nabe ou yamou yagima ou mon yaou mon mouga ou malayara pour autant des vandis, des êtres humains vandis comme ça qui n'ont aucune dignité humaine, hein? Des vandis comme ça là, vous n'avez aucune dignité humaine. Votre dignité se limite à la place de l'argent. Des acheter des corrompus comme ça là, vous n'avez même pas honte. Mamadi Doumbouya, itana nabe. Supporter un criminel comme ça au pouvoir, au mandat soit. C'est le peuple qui va voter son dirigeant. Donc c'est le monsieur qui est parti dire qu'il est en train de donner des conseils à Mamadi Doumbouya. Je vous ai dit que c'est une manipulation. Je vais parler ça maintenant en français. Pourquoi j'ai écouté tout? Pourquoi il n'a pas dit dans sa phrase là-bas? Pourquoi il n'a pas prononcé le deux mots ou trois phrases pour dire dans ces phrases, Mamadi Doumbouya appelle tous les leaders là, vous allez vous asseoir, tu vas organiser les élections libres, transparentes, c'est lui qui gagne, tu lui donnes tu lui remets la clé du palais Sewoutouréa. Hein? Mais il n'a pas dit ça. Il a dit seulement où sont les cassoriers aujourd'hui, ou ceux qui étaient avec Alpha Condé. Est-ce que vous avez entendu dans sa bouche, dans vocal là, vous avez entendu lui dire, il faut appeler les dealers, vous allez vous asseoir, tu ne peux pas faire organiser les élections. Il dit non, organise les élections, comme ça tu vas respecter ta parole, c'est tout. S'il était au sérieux là, il allait prononcer le nom de Sidia Touré, RPG Arc-en-Ciel et IFDG du président Seldale, parce que c'est les trois partis politiques là qui existent en Guinée. Donc c'est de l'hypocrisie intellectuelle. C'est pour endormir encore. Écoutez bien sa phrase, jusqu'à même il dit... Si on doit te donner encore un an ou deux ans, tu vas organiser les élections législatives et comme ça, communales. Hey, c'est des histoires. Parce que là, ils sont coincés. Mamadi Doumbouya ne peut pas s'imposer après le 31 décembre. Maintenant, il faut chercher des moyens pour frapper l'intelligence, pour frapper l'alphabétisme des Guinéens, là, pour dire il faut les endormir, il faut prononcer cette phrase-là, il faut prononcer le mot-là, comme ça, ils vont tomber dans le piège. Pour pouvoir encore donner un an ou deux ans à Mamadi Doumbouya, comme ça, on est arrivé à 5 ans.
Donc c'est une manipulation intellectuelle et corrompue et escroc. Donc n'écoutez pas. Celui qui a parlé là dit qu'il a don, qu'il donne des conseils à Mamadi Doumbia. Mansaya Bila, Ikini Toloma Lomola, tout ça là c'est des histoires. Faut qu'on fasse un déco birdi birdi. Ko imina do yo wolir non. Hadi yo wola kander phrase ma ko ina yo Mamadi Doumbia no do selu, Sidia et RPZ a cancel, be gyoro be wola be organiser élection. O wola li dun kala ma ko di. Ko inu goltun wonno be joku no be kasori hande. Be ala imma gol fi kasori alpha konde wonno be alpha konde gente birdi birdi on faut ko manipulation. Donc on en wonno getu de problème PV fe ndo do wada dun ka réseaux sociaux. CNRD Mamadi Doumbia il est ko bandi be wonel ko narko be woni dirige gol la ngine ibe mari hakil han be way organise gol dun gilane bi nu après non si fuite que fin septembre do wono ardo 17 septembre be nanga non do PV be nangin kin no PV ara non ko me kambe kadi jogi no PV par exemple ko mafia c'est des délinquants ko bandi gilami la ngine be ina wada dudum be doginamo be nabo mo ka burure ton Liberia be nanga moto ha fe ndodo ndaru gol tension be yaltina non jene mo Mamadi Doumbia service de renseignement ko no fori ko dum woni mi do fi war gol coup d'état o hulbingol imbe men c'est des histoires Mamadi Doumbia nous on va te combattre jusqu'à la fin donc ko dum mi fala no wala ngol ko feji la be do ko mi buino yalta do no attaque lengol fulbe ben ko fenande ko himbe yoba be déplaçable yoba ambu di hande non kadi merda e preuve on kiki de kalay fami ola ko dum mi fala no wala ngol Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partagez vidéo Kander Group. Faut que bandits, que criminels de l'ami lagne. Ils sont capables de tout. Ils sont capables de tout. Même évasion de la prison là, ils peuvent organiser ça là pour se sauver aujourd'hui là. Tout est possible avec les criminels là. C'est des voyous. C'est des délinquants qui sont à la tête d'un pays. Hein? Des narcomanes, des narcomaniens, des braqueurs. Donc ils sont capables de tout. C'est l'intelligence intellectuelle. Donc, oh, il y a tout le voco qui a payé pour ça. Donc, bien tout. C'est des histoires. D'ailleurs, il y a juillet, là, il faut payer pour ça. D'ailleurs, on a oublié donc. So, on a oublié des leaders, so, on a oublié des politiciens. On a oublié. Quand on a dit qu'on a fait un an, comme on m'a dit, il y a un minimum, on a oublié. Monsieur le président, son général, je vais te donner les conseils. On a oublié les Français, on a oublié les Maninka. C'est des histoires. C'est une manipulation intellectuelle. Donc, portez-vous bien, on se reprend plus tard. Bye bye le soir. Ciao, ciao. On a affaire avec des criminels, des bandits expérimentés, des braqueurs.